Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur l'épisode 7 de Vanquish, juste pour la beauté de la forme. La dernière fois, nous partions à la montée de la colline de la mort. Vanquish. Et aujourd'hui, nous la mènerons à bien. La dernière fois, on s'est battu contre un giga ultra méga gigazord et un robot poulpe gigantesque avec un canon pénis à la place de la bouche. Hop, voilà. Le conteneur bouge. Ah merde! Ah, tous les gens que j'avais tués! Mouvement à l'intérieur. Les voilà! Visez-les! Bon, il y a du mouvement là. Exterminez-les! Oh putain, la voix de Pumba qui parle en... Là, je le tiens. Oh! Couille shot! Testy shot! Double testy shot! Oh! Head shot! Oh! Head shot! Monster kill! Raté. Touché. Touché. Non, c'est personne. Là, là, il y en a un, là. Sors de là. Allez, sors de là, je... Ah. Fuck. Il est vide. Ok. C'est brave. C'est brave, ça va. Oh, merde, la porte est fermée. Ah, non. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Qu'est-ce que c'est que ces bruits? On peut les viser de là. Ah putain, une tourelle. Ok, ouais. Bon, roquette. Roquette. Oh. Merde. On va aller sauver. Je suis là. Oh, un laser de visée, excellent. Ça peut qui me permet d'améliorer. La dernière roquette, je sais plus. Oh! Ça vise tellement bien ce truc! Ok. Mais non, pas plus vite, on prend ton temps, sois pas débile aussi. C'est ceux qui vont vite qui se font déglinguer. Voilà! Surtout à la guerre, mec. Hop. Lance-disque? Ouais, the fuck. J'aime pas le lance-disque! Juste pas assez précis en fait pour moi, chers amis. Par contre, là, il y a un fusil de sniper. Et un autre fusil sniper, voilà, qui augmente enfin. J'ai peut-être fait une erreur, je l'ai peut-être pris alors que... Ah non, quoi que... J'ai peut-être pris alors qu'il était vide, j'aurais peut-être dû le changer. Bon, ça aurait rien changé, il serait pas réapparu de toute façon. Ok, progressons, progressons. Roulade. Fusil à pompe, tout le monde s'en fout. Pistolet, bitfront, forever. Ouais. Le problème c'est que j'en ai pas d'autres là, donc avançons. De toute façon j'ai vidé la place, hein. Fusil à pompe, bah écoute. Oula, attends, y'en a plein là, qui se sont débloqués là. Y'en a plein derrière là. Bonjour. Grenade. Oups, grenade. Ah, elle était bien celle-là. Ah. Oh, amélioration, ça fait plaisir ça. Du coup, je vais vraiment prendre le Bitfront Gun. Bitfront Gun qui est où? Je vous assure, il y avait un Bitfront Gun là. C'est pourtant pas arrivé. Ah, une très lourde. Ah, voilà, là. Bitfront Gun, parfait. Bitfront éternel. Donc là du coup on pénètre. Oh, où est-ce qu'il... Revers. Et on se planque. Je suis sous couverture, tu ne peux pas me tuer. Voilà. Je fais ça sans utiliser de munitions, pourquoi? Voilà. Même si ça me met en mode... En mode surchauffe, je fais ça sans utiliser les munitions afin de pouvoir voilà, bénéficier des améliorations de fusil, pistolet, lance-disque et amélioration pour le Bitfront Gun. C'est bien amusé. Voilà, portée accrue plus 50%, excellent. On va peut-être s'en servir du coup, ce serait con. Bombe. Bombe. Amélioration pour laser de visée, excellent. Ça en ouvre, il y a un lance-disque. Là, il y a encore une barge qui fait chier.
il est mort. En dessous, il y en a encore là. Waouh, mais ils ont repop en fait. D'accord, j'étais censé passer derrière les lignes ennemies sans tous les buter. Hey clean. Voilà, tout ceci est nettoyé. Un fusil à pompe. De toute façon, j'ai utilisé les munitions de Big Strong Gun, donc il n'est plus valide pour améliorer. On va prendre le fusil à pompe et puis on va y aller. On va pomper mes amis, comme un vieux Shadok qui se respecte lance-roquette. Non. Très bien, très bien. Là, il y a un fusil d'assaut. Des robots! Ah! On peut tirer dessus de partout là, ça veut rien dire. Ah, lui il est mort. Lui aussi. Où est-il? Voilà, lui est mort. Et enfin, il y en a un dernier. Voilà! Maintenant que toute cette population dissidente a été gérée, est-ce qu'il y a des armes et des bonus par ici? Alors, fusil d'assaut. Oh. Wow. Revers de la main. Ouverture, amélioration pour fusil à pompe. Ah, ça ne sert à rien, mais pourquoi pas. Là, il y a un autre coffre. Avec un magnifique méchant qui a popé, vous avez vu ça? Magnifique méchant qui a bugué aussi. Ouais, mais ils apparaissent de partout. À moins que ce soit le brouilleur radar. À moins que ce soit le brouilleur radar qui m'empêche de les détecter jusqu'à ce que j'ai une confirmation visuelle de leur existence et pistolet Bitcoin Forever. Parce que chercher, mais ça fera l'affaire. Well, est-ce que je refais tout le chemin pour avoir l'autre? Ouais, ça se fait vite. Allez hop. Il était juste en dessous des escaliers en plus si je me souviens. Si je me souviens, je l'avais abandonné juste là. Voilà, une petite amélioration pour pistolet Bitcoin. Faudrait que je me décide à utiliser une arme, hein, chers amis. Le Lennon qui est dissident. Lennon qui ne veut pas utiliser ses armes pour les améliorer. À quoi ça sert que t'aies des armes si c'est pour pas tirer avec? Mais c'est des objets de collection. Allez, je lâche le fusil sniper. J'abandonne l'idée d'améliorer le fusil sniper. Des grenades, voilà qui m'arrange. Là, il y a un autre coffre. Là-bas, il y a un autre coffre. Je vais commencer par celui-là, là-bas, d'abord. Laser visé. Excellent. Non, je n'améliorerai plus le lance-roquette. J'en ai marre. Ça y est, j'ai dit, ça me saoule. On va peut-être avancer et vous donner de l'action, parce que la gestion d'inventaire, ça va bien 5 minutes. Mais voilà, fusil d'assaut. Des mouvements dans un autre conteneur. C'est ça, là? Ah, et le disque! Le disque où il y a le truc de brouillage. C'est ce qu'il montrait sur l'image tout à l'heure, même si elle était mal faite. Merde! Impossible d'approcher cette porte! Elena, débloque-la! Impossible, Sam! Elle ne peut pas être contrôlée à distance. Et merde! Tu dois utiliser le tableau de commande dans le bâtiment, à droite de la porte. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Recharge. Pousse clope. Ça faisait longtemps. Hop. Et... Apparemment c'est descriptif ça ou pas? Comment je vais pouvoir passer ce mec? J'ai eu. Oh, reverse la pierre cale, il est mort. Ah putain, la roulade lente. Super. Grenade. Oh putain. Comment ça, wing. Wouah.
Pause clope. Wouah, les mecs! Qu'est-ce qui vient de se passer là seulement? J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, je tiens à souligner. Bon, c'est pas grave, prenons un fusil d'assaut. Un pistolet de cherchais. Excellent, nombre de munitions max accru, excellent, une mitrailleuse lourde. Ça peut aussi faire l'affaire. Ah, un fusil sniper. Enfin, un fusil sniper, du coup je peux l'améliorer tout de suite. Voilà, je fais juste comme ça, parce que sinon ça me saoule. Et là dehors, il reste un ennemi qui fait chier. C'est lui. Et il y a un mec qui est blessé, mais il ira se faire foutre. Je prends la mitrailleuse lourde. Et où est le tableau de commande? Ah, il est là. Jaune, 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 vert, jaune. Ça marche? On va devoir pirater l'entrée. Elena, on a besoin de ton aide. J'ai déjà essayé, mais l'entrée est verrouillée analogiquement. Il va falloir que tu la fasses exploser. Il va falloir des explosifs puissants. L'équipe de démolition passe devant. Tous les autres, couvrez-la. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Tiens, prends ça. Allez, debout. Oh, il me lâche un laser de visée. Oh putain, avec une amélioration de munitions, il est temps de s'en servir. Feu. Oh. On est arrivé à l'entrée. On place les explosifs. Arbalète. L'équipe de démolition voilà. A placé des explosifs. Tiens-toi à l'écart de l'entrée. Arbalète. Où ça? Déjà? Putain les mecs, vous êtes juste les poseurs d'explosifs les plus efficaces d'un jeu vidéo que j'ai jamais vu. Normalement ça prend au moins allez, deux minutes. Allez, allez. Ha ha, GG les mecs. Bon bah voilà. Ah bah voilà, et ça se finit dans le calme le plus total et le plus absolu. Waouh, on est à peine à 12 minutes cependant, donc on va continuer, écoute hein. Bah voilà, victoire totale, je suis fier de vous les enfants, tout s'est très très bien passé. Oh, fusil à pompe. Ah d'accord, bah c'est derrière cette porte, il y avait deux coffres que j'ai perdu, c'est pas grave. On prendra, tiens. Et puis j'ai une arbalète. Là il y a un lance-disque. Délicieusement inutile dans l'absolu. Et là il y a une caisse. Avec un fusil d'assaut. Et encore une fois, cette vue, putain, cette vue, chers amis. Oh là 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 là. Avec le champ de force qui protège de l'espace, du vide de l'espace. Avec toutes les cendres dans les airs et tout, c'est vraiment très impressionnant. Bon, ça va, t'as fini de picoler, toi? Ça fait du bien par où ça passe. Essaye de te la mettre dans le cul, on va voir comment tu restes. Bon! Très bien. Ils auraient pu mettre une petite musique d'ascenseur, hein, genre... Des ennemis arrivent d'en haut. D'en haut? Ah! Et voilà. Bien vu. Vous ne descendrez pas. Voilà. Ah, j'ai tellement de points qui se mettent là-bas. Oh shit! Sécurisé. Où sont les autres? Parfait. Et puis j'ai une question. Est-ce que le concept du haut et du bas fonctionne quand on est dans une station spatiale? Ouais, si on définit le câble comme étant le haut, en fait. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Je comprends vraiment pas comment ça marche, tous ces trucs. Bah, je suis pas scientifique. Allons-y, il y en aura dans les commentaires qui auront sans doute des théories beaucoup plus intéressantes que moi. Bon. Et un petit coup de whisky. Illégalité, illégalité la plus totale. Les mecs, vous pouvez pas activer un ascenseur sans moi? J'imagine que je suis le seul qui ait reçu une éducation suffisamment prolongée pour savoir appuyer sur un bouton jaune. Ça veut rien dire. Enfin. C'est ouvert. Elena, indique le chemin. Va à gauche du KNRB0. Ok. Du Conrad? Eh ben écoute. Allons-y. Couchez-vous. Oh shit. Non 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 non
ça m'empêche pas de me battre, hein. C'est comme ma femme, j'aime ma femme, mais je la bats quand même. Oh putain, les parpaings qui tombent. Parpaing. Attention, parpaing. Il y a des parpaings qui tombent de partout. Il faut que je passe par là. Est-ce qu'il y a du parpaing? Oh shit. Roulade à droite. Ah, t'y attendais pas celle-là, hein. Esquive, 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 esquive. Esquive la toile. But, hell yeah. Je suis dans la tourelle de la mort et de la destruction et je peux pas tourner plus, ça sert à rien, ok. Quel bordel. Miséricorde. Pause clope. Hop. Allez, c'est parti. Oui. Et on passe. Et ça passe. Et on active et... Oh, la serre de visée. Excellent. Ah putain, je l'ai pas optimisé. Je suis trop con. Mais c'est brave. Esquive, esquive, esquive les parpaings. On se planque. Et on esquive le parpaing au dernier moment. En passant entre les fils. Et en passant entre les gouttes. Et bonjour. Oh. Grenade. Aïe, aïe, aïe. Je m'en prends plein la gueule. Grenade! Grenade, motherfucker! Oh! Ha ha ha! Ah bah putain! Une amélioration des émetteurs INEM et un fusil à pompe et il est pas mort! Bon écoute. Tant pis, ils sauront le gérer. Hein. J'en ai marre de ramasser les merdes derrière eux aussi. Allons-y. Parfait. Mais comment t'es monté toi? On n'a pas de temps à perdre. Faites-lui ravaler ce truc. Je vais activer le moteur et laisser Elena s'occuper du reste. Parfait. Hey Elena, t'as déjà joué à Jackass? Elena, tu peux pirater ce truc à distance? Pareil, mais tu risques rien. Négatif. Le signal de brouillage est codé. Ce magnifique plan hey, cul. Je vais devoir m'en occuper alors. Sam, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suicide, okay. Pour la gloire. Ah ah. Esquive, comme dans Rambo. Leroy Jenkins. Superman. Oh. Ha ha ha. Aïe. C'est que je commence à bien me démerder pour tomber du véhicule, non? Ça valait le coup. Comment t'as fait tout ce chemin si vite? Vous démerdez surtout bien pour avoir l'air d'un con. Oh, ça va, ça va. Comme ils respectent pas, comment ça parle mal. Mais ça parle mal dans l'amitié, donc moi j'apprécie. Vous remarquez, j'ai de plus en plus de facilité pour me débarrasser des poulpes robots géants. Allons-y. Non, c'est une mission stupide. Mais non, Bibiche. C'était la dernière transmission. Les renforts arrivent. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin à cause des tirs de canon et du brouillage radar. Quel canon? Qui reste en position? Ah ouais, ce canon. On va faire exploser cette saloperie. Ok, allons-y. Les flèches, on va s'écraser. Vous avez dit de les faire rester en position. Ils n'ont pas reçu le message. Les brouillards radar sont trop élevés. Je devais émettre à fond le message pour qu'ils restent en position. Merde. Je crois que je vais devoir détruire les brouillards moi-même. Et voilà! Tout qui explose. Je suis sur le côté de votre... Putain, je m'en prends plein la gueule, Et voilà! Putain, il s'est mis sur mon... sur la route, quoi. Attends, il y a un truc d'amélioration, là. Vite, mon gun! Esquive! Je l'ai! Bonjour, messieurs, il y a une petite place? Ok, on a presque fini les gens. Oh, l'une des trappes s'ouvre. On y va. Ah là-bas. Oh mon dieu, un robot géant.
coup un laser de visée pour s'amélioration. Là il y a un coffre. Je sais qu'il y a un robot géant mais je m'en fous. Là, des munitions. Des munitions, il y a des armes de partout, il faut que j'en profite. Tant que je suis encore dans la bataille. Pistolet bit front forever. Excellent. Fusil d'assaut, pourquoi pas. Oula, c'est sur moi qui tire. Grenade. Bah tiens, testons ce fameux émetteur IEM. Prends ça, fumier. En EMP, bitch. Suivi d'un... Dropkick. Haha. Alors, c'était la classe ou c'était pas la classe? Lancez une grenade. Bousillez ces fichus drop. Je vais te sauver, Gisèle. Super, Gisèle est sauvée. De rien, de rien. Là, il y a encore un lance-roquette. Il serait peut-être temps de le prendre histoire d'améliorer avec ce qui traîne. Là, j'en vois un autre, par exemple. Y'a pas un coffre là? Ah si si si, il y a le coffre, pas bon. Une d'assaut, très bien. Non mais prends le lance-roquette. Ça pourrait être utile. Roulade, 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 roule, roule, petit patapon. Un lourd, roulade, 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 roulade. Miséricorde. Lance-roquette. Oui. Oh. Ha ha ha. Deuxième service, lance-roquette. Oh. Ha ha ha. Et ça marche bien ces marchands. Tiens toi tranquille, je te fais une injection. Debout. Moi c'est quoi ça? Moi. Mais c'est quoi ce truc? C'est le loup de Metal Gear Rising. Le code de l'OTAN est pillard. J'en sais pas plus que ça. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas révéler. Le nom de code de l'OTAN, ça veut dire que c'est enregistré ce machin? Tiens, prends ça. Y'a quelqu'un qui s'est dit, oui, j'ai créé un chien-loup mécanique robot cyborg. Aïe aïe aïe, mais il me tire dessus ces machins! Ça m'envoie des ovules et... Et il se transforme en robot géant. Donc c'est un scorpion robot géant, quoi que ce soit, c'est complètement stylé. Headshot. Double headshot et roulade. Pose, clope. Là. Esprit, j'ai pas eu le temps de le viser bien. C'est pas grave. Je ne le prends pas mal. Blah. C'est rien. Quelque... Il a sorti une hache et... Sa hache fait aussi mitrailler... Oh. Bonjour toi. Bonjour toi. Du coup voilà, ça fait hache aussi. Waouh, c'est génial et... Oh, je veux la même. Esquive. Et puis ça fait canon. Et puis ça fait hache. Et puis il peut se transformer en scorpion aussi. C'est génial. Reconnaissez-le, chers amis, c'est quand même complètement la classe. Les grenades, là, il y a un coffre. D'assaut. Ah, super. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Ok, on peut progresser. On va y arriver, on va y arriver. Ah ça y est, ça marche. Ouh. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait planter le jeu. Ah, c'est ça le canon hein. Oh shit. Même de merveilleux manèges volants. Tu parles d'un carrousel? Allez donc vous amuser avec. Ça doit être l'émetteur de brouillage. Je viens de le passer au radar. Vous n'allez pas pouvoir détruire cette installation au tir normal. Waouh. Merde. Ah ouais, mais, ma clope. Bon, je l'avais jetée, mais... Putain que leur machin est précis, quoi. On va devoir les détruire, sinon nos renforts ne passeront pas. Bravo, visez le corps rouge. Tirez tant qu'il vous reste des munitions. Ouais.
Ouais. Bon, bien. Oh putain. 1, 2, 3, avec des Morkenstern. Il doit y avoir un truc sur lequel on peut tirer. Trouvez-le. C'est l'heure du Bitfront Gun. Bah whoop, motherfucker, bam. Ça te plaît, ça? Double bah whoop. Triple bah whoop. Quadruple bah whoop. Bah whoop. Bah whoop de l'amour. Glissade et dropkick. Et voilà. Bah lui, quand il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir. Ok, allons-y. Ouais, il rampe comme un T-1000. Je brûle. Mais bon. Victoire totale. On ne peut pas les laisser buter plus de marines. Arrêtez de canarder partout. Concentrez vos tirs. Mon dieu, c'est du grand n'importe quoi. Rayon pénis. Les rayons pénis de l'amour. Pini. Oh.